programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 8 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de la Chartres-sur-le-Loire, première course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 7 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Cette course D, à la location totale de 37 000 euros, réunira des éléments européens. Le parcours des 2850 mètres de la grande piste sera utilisé et il faut préciser que tous s'élanceront du même échelon de départ. Une fois encore, tenter quelques coups pour l'ordre d'arrivée et élargir ses combinaisons peuvent être deux très bonnes idées de jeu. Voici maintenant le pronostic en 8 de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Iwi Deol. Beaucoup de classe pour ce fils de Kitschko Decajol, capable de mettre tout le monde à la raison dans ce lot, paraissant à sa portée avant coup. En deuxième choix, le numéro 5, Burning Man. Il a beaucoup de classe et peut largement remporter une telle compétition. À David Thomin, son pilote du jour, de le maintenir dans les bonnes allures dans les premiers mètres de course et tout ira bien ensuite. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Edjo Dumont. Déféré des 4 pieds une nouvelle fois et piloté par le génialissime Éric Raffin, double sulky d'or en titre, il ne devrait pas sortir des 5 premiers une nouvelle fois. En quatrième position viendra le numéro 13, Erasme Williams. Nous aimons beaucoup ce frère de Cara Williams, pensionnaire de Philippe Dojard, cheval classique, qui trouverait une juste récompense en montant sur la plus haute marche du podium ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Epson Darian. Daniel Bétoir, son mentor, fait appel à l'extraordinaire main de Jean-Michel Bazir, et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration ici. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Enfantin. Il dépend de la redoutable écurie de Christian Bigeon. Valant bien mieux que l'ensemble de ses derniers essais, un réveil de sa part est attendu aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 12, Esteban Giel. Déféré des 4 pieds et restant sur une plaisante 4ème place, il semble de taille à batailler pour une place dans le Quintet Plus en ce début de semaine. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Éclat des Noix. Il est confié à Mathieu Abrivard pour ce très bel engagement. S'il est caché durant le parcours, il sera redoutable pour finir. En cas de non-partant, le numéro 6, Élégant Farcap, qui retrouve Franck Nivard à ses commandes, terminerait alors notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono, Turf Sélection et la Minute Quintet indiquaient le tiercé quarté Quintet Plus dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour vous aider à créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.